s'est réveillé ce matin, on a juste un petit souci, c'est qu'il pleut, un truc de malade mental. On devait aller voir un spectacle d'oiseaux avec des aigles. Je pense qu'on peut dire non, c'est annulé. Et même pour faire quoi que ce soit, l'alternative c'était d'aller faire une petite randonnée dans le Verdon. Et là c'est mort de chez mort, c'est... Ça va jamais s'arrêter. Il fait vachement plus beau que tout à l'heure quand même. Et on a une vue sur la plaine, c'est plutôt pas mal. C'est quand même un super joli village. C'est pour ça qu'il est classé un des plus beaux de France. Allez, à toute, on a beaucoup de route. On est arrivé au parc, il y a des oiseaux qui crient. Il y en a qui ont des yeux incroyables. Vous allez voir, des yeux tout orange. C'est les hiboux grand-duc, je crois, avec leurs aigrettes sur la tête, comme Ophélie nous a dit hier. Et là, on a des loups même. Il y a quand même des loups, hein. Des loups. Si, ça m'a l'air d'être des loups, ça. Ouais, on dirait une petite meute. C'est pas le même qu'au parc 4 fois. Ouais. Est-ce que tu ne saurais pas trouver un ami? On va revenir avec un deuxième chat à la maison. Il aime bien. Il nous a adoptés, je crois. Hein. Félix. C'est vrai? Tu le sens pas? Sur les portières de maison, et ils pensaient qu'ils chassaient avec main inoffensive. Elle cherche juste à pouvoir donc se nourrir. Alors, qui c'est qui la veut? Est-ce qu'elle est légère? Elle est toute légère. Donc, Kali, elle a tout ce qui sait que ce qui est rouge, on ne comprend pas. Elle a pris 50 grammes. Elle est comment, Ophélie? Je sens ses petites griffes. En fait, Ophélie, elle n'a pas trop de maigrir, elle a survécu dans son corps. Kali, tu te griffes. Qu'est-ce que t'en penses, Ophélie? Elle est impressionnante, moi, je trouve. J'adore son poignard. Elle est belle, elle est purée. C'est des hiboux grand-duc qu'on va voir maintenant. C'est le bébé grand-duc de roi. C'est le bébé. Bah, ils ont 4 mois. Alors, lui, normalement, il fait un leur cerf, ça rentre bien comme dans du beurre. Donc... Alors quand il claque le bec, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les dérange. C'est bon, hein. Que il mange combien de grammes par rapport à peu près? Ouais. Que des petits. Elle, petite, elle m'escaladait et elle venait se bouger. Alors eux, lui, il va manger l'équivalent de 5 litres. C'est un tout petit peu de duvet hein, sous la guise. Mais alors vraiment, un tout petit peu... Alors on a le droit à la mini-ferme avec les moutons, les petites oies, les chèvres, on a un énorme cochon, on a aussi des paons, il y a un petit peu de tout. Il y a même une petite chèvre qui a très envie de manger mon doigt et qui l'a même un petit peu croqué. C'est rigolo, c'est sympa, et il y a un wallaby aussi, c'est comme un petit kangourou. Un peu plus grand que ça. Oh, elle croque, elle croque. Elle meurt. Je suis mort déjà. Qu'il a sur le dessus. Les personnes donnent à manger aux animaux et les animaux sont tout contents, ils ont reconnu le bruit de la nourriture. Pas de violence, c'est la fin. Ils sont tous tout ouf là.
Non, c'est des sortes de plantes. C'est l'heure du pique-nique pour les courageux. Il y en a un qui a pas besoin de manger, c'est l'énorme buffle d'eau qui nous regarde d'un air fixe depuis tout à l'heure. Celui-là, il a une bonne grosse bosse et je pense qu'il a déjà bien mangé. Tartinade, saumon, olive noire et du pain au noir. Mais ça, c'est que pour moi. Ce matin, il y avait des pluies torrentielles, on se serait cru au Brésil pendant la saison humide. Et là maintenant, c'est le désert d'Arizona. Ici, des petites perruches, hein, celles-là, on dirait des glaces à l'eau. Il y a eu du chou-plante, tu sais, dans un jardin. La route, elle est un peu mauvaise, là. On saute un petit peu dans tous les sens. En plus, on a des pneus qui sont pas assez gonflés. Ah, ils sont toujours pas assez gonflés? Non, ils sont toujours pas assez. C'est quand même qu'on a un problème, alors, parce que là, ils sont... là, il fait chaud. Mais là, on va aller les gonfler.